gado manase ame barake fanga no bola kuna foni kumana bo dante la me inye fili jamana jodu matisera ame barake fanga no bola kuna foni kumana jense bida srika pila me mide fili dante na me na le srika ale dante na me na le srika Rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kala, Rabbi Isri li Sadri, wa Yasri li Amri, wa Huldala Tanmi li Sani, Yabgaw Kawli, Alhamdulillah Rabbil Alamina, Ya Jil Jalali wal Kiram, Alhamdulillah Rabbil Alamina, Ya Razaki, Ya Allah. Alors, les infos pertinents, moi d'été, je ne fais que mon analyse, ne pas la même avec Aketo, et appelle Irijan Okunduna, Fungo, appelle ta. Et donc je suis le retour. On veut que Jamana supporte Kurita. Donc, Kurita, Gabon, et à quel moment là, Ali Bongo le Bora, qui a grandi, qui a fait qu'on allait gagner. A quoi qu'a gagné de 64,27%. C'est un gros coup, Albert Ando Oza. Albert Ando Oza, Ali Bongo, qu'on a 30% dans le soir. 30,77%. Donc, de ce fait, au Dunse Kaké, ça n'a pas de sens. Donc, comme ça n'a pas de sens, les militaires étaient obligés de s'assumer. Mais il faut qu'il y ait une analyse. Parce qu'il y a un chauffeur là, il y a une analyse qui est dans l'homme. C'est-à-dire, nous devons nous faire un coup. C'est ça qu'on doit se poser la question. Il faut qu'il y ait un assumé qui est fou. Il y a un Sadou Kamara fou. Il y a un Maliki Djao fou. Il y a un Kone fou. Il y a un Wage fou. Nous avons un colonel Droufo, on a un ministre, nous avons un colonel. Parce que Mali est manouken de l'Irabella. Le Mali a été quelque chose comme manouken, comme madol. Mali qui est madolé. Donc, Mali ne reste plus glambé, que cela soit très clair. Nous sommes des empereurs. C'est-à-dire, sous le jour, là, quoi. Mali a fait que depuis au début de la civilisation de l'Afrique, ni Mali sera fait de manière tombata. Au là, c'est très très important. On a responsabilité balo tagasika an ira kunko. Or la an ira responsabilité mitanié, an ira mitanié sur le jour qu'on a là. On a reçu, on n'a même pas de choix. On a succès, on n'a même pas de choix. Parce que non, on a reçu, non seulement an trobe na tien tarikula. Non, on a reçu, non seulement an dame na tien tarikula. Non, on a reçu, sur le jour t'offre na bebe na tien. Non, ma transition ma ke djamana djolay. Non, la transition ma ke djamana développé là. Dans la transition, il y a un au Kona là, bébé, Parce que il faut que vous offrez tantôt. Je me répète. Je suis Kona là. Fika Kona là. Parce que Kona est volé flari.
kɛlɛ ye problème ye yɔrɔ man ye an b'o dénoncer mais mɔgɔ minnu bɛ ka baara ɲuman kɛ ne ni Dante bɔra olu ka baara ɲuman kalama je suis obligé ka n da don o tigiw la ka u ka baara ɲuman ka segin u ma i ye faamu donc an balimakɛ dɔ tun ka foro ɲagamina muso dɔ bɛ tribunal la muso dɔ bɛ yen ale bɛ ka baara ɲuman ba kɛ an balimakɛ dɔ y'a commentaire ba kɛ n bɛ fɛ an ka da don o la n k'ale jansa parce que i b'a dɔn maliko fa de bɛ ne la ne b'a bɛɛ lakɔlɔsi ni n ma ɲuman kɛ dɔrɔn n b'i datugulan ci kɔnɔ ni n ye ɲuman kɛ n bɛ bɔ k'i datugulan dayɛlɛ. E y'a lajɛ ni ni kasɔrɔ ta k'a dɔn c'est pour que mara da k'a bila a m'a ɲini k'an finnen don an jeli don wa a m'o ɲini k'o dɔn donc a y'a ka baara kɛ vraiment k'o foli k'a ye ka foli kɛ c'est à dire juge bɛɛ lajɛlen hali u ka dɔn k'a fɔ n bɛ sigi a kan jamana in bi bɛ olu de bolo wa sini fana bɛ olu de bolo wala n'u y'u jɔ walahi jamana in bɛ sira sɔrɔ sira foyi tɛ a la. donc cɛ bɛ ka muso dɔ de fo ko muso dɔ de ye baara kɛ cɛ taara k'u ka dugukolo minɛ u la mais ni muso in bɔlen y'a kalama. N'a cɛ a ma bi ɲini a ma sini ɲini muso wulila ka baara de kɛ ka nin ko ɲɛnabɔ donc an ka da don a la. professeur bɔ a la donc ko a ye plainte don anw ka masa commune 5 na donc automatiquement an fana ye plainte don a kama au niveau de la commune 6 donc o procédure tun bɛ senna bon police y'a convoqué ka dɛsɛ a y'i ban ka na mais vraiment sirakɔrɔ commissaire vraiment an b'a fo kosɛbɛ a n'a ka cɛdenw vraiment u y'u ka jɔ kɛ ka cogo bɛɛ kɛ. Pour interpeller Kananaye, Juma Temene Mulafe. On a naye, Juma Ke, Kounou, Utarna Trinala, Commissi Trinala. A tra Commissi Trinala Watina, deux taradi, Jinesioma, Madame Nema Sagara. Wallahi, Kadamsu, Wallahi, Nemso Bade, Akangafo. Wallahi. Ko jiji ma bane ko jiji horon be hal sisa ko don ko madame Nema Sagara an ma foli be le babaye parce que vraiment ko alaka joni mon be lolu bana dum la jembe wuli vraiment ali espoir dans ma quoi parce que me wuli le dernier la maestrawe sari kal la je hal bu ka do ko jamane mbol de bolo wala sini mbol de bolo abibu wuli wa sini mbol bolo ko wuli ko jo fendo be no ka kleke muso ya ira na ko nga fo tirna de malla sinon wallahi tani wuli ka debi commissaire la commissaire la wallahi wuli li mu kere commissaire la ka bo hatima partout hein ka bo jamana yoro la baraka da bawla bo imay o re probleme mais parce que u jigi dalen do appui de ka sans faire quoi o lo bena ka ta u be re ba do papier na ka ta dragi u be klaka nyami ta dabri fantaw dala donc vraiment atara ko e ko peke ka wuli ka jo proposition sou be yake mais madame Nema Sagara juge d'instruction do avec comme ici là wallahi ama ni hali ka foko ka ni ka nyere a dossier la je ka fon la je ay montre la place sous mandat dépôt la place sous mandat dépôt auquel la ref ay ref montre la plainte mais de tourner en contre la commune 5 là ko lu fana ye dossier fana gravité la je ko fana mandat vrai dakan tourner donc vraiment ni ama ye ni mo tena tribunal bolo o boka kuma donc kaka ni en fana ni tribunal bi kan blanga hakke kono donc akaka en fana ka wole o da en blanga te ni wona ko chama chama meje amma amma ko ma ka kelo ke krefe mais de mana beroma bi amen ke mun kama d'abord amor jaw ga madda bo do rekama d'abord a chekule d'abord sari de mana donc ka fo halibi tribunal la mo be no horombe horombe no horombe akacha warte mun numbo ja mun numbo ja du ko lote mun numbo ja wallahi o maistra cha mun bu le mo maistra lo cha me malla wallahi cha mo ne bala me bawo ay ni de donc ko je meta re fo do ni ko numan kera ne dante ne te nyet ko ka fo ni ta kala ma ni muso to ko ne ma sangara ay ni orti ke malion ala kama ay partage ay ni partage ala ma kira kama ay fo ne ma sangara nyana ko dante ko ko ala ka shimaya ay fo ne ma sangara nyana ko ala ka shimaya masami ala ye ko cɛro bi malla ka to ko amadu dawa muni masami ala ye ko abulu ka jan a fasa ka jan ala ye bi taka ka mo du gro nula ka mo du gro morcelé ko parce que kan mali fo mo ben rondo ko herbe shi herbe kli herbe be foko masami ala ye ko aya ese ko ken tiela hectare dou de babulu aka furo ka bi ta cɛnya na ma aka furo titri fossé ka bi ta morcelé aka furo titri fossé a kleme ka barakelo black no n'a pas de problème, on ne peut pas dire qu'on est à la gamme là. Sinon, c'est vrai, nous, on s'est dit qu'on est à la gamme là. On 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 est à la gamme là.
Quand les prédateurs fonciers sont connus au Mali, Allez, il y a une courine sang. Général, c'est un tableau 2020. Mais c'est un tableau de titre Boyana depuis 1999. Il y aura une hectare de route. Watimna, et Amorja Sako, il y aura une Watimina, Aya Morsele. Car Morsele, car Bampeo, titre global de Kumala, Katla, car titre à parcelle, Katla, car Betty individuel Boka, titre Kemeniko, Bedafalembe.
Bon, on nana balaka mule avec kolo dono bo, on nana balaka ye yanno dona mo blayan ou fara ka morsel ma wara ke antouni. Donc on wulla wulga djoke gardien mbaw ye wule bla, donc on bolla kana. On bolle kana e pour sou tan fe kana, kana komina katanuye. Mon tu peux morsel manke en tarando commissaire la. Commissaire mo bla wati la. Kata commissaire tribunal la. Maintenant, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. On fait là comme morcellement qui est maintenant qu'à crise individuelle bonheur belle à 6 ans on va s'enflammer bon là faudra qu'à faut aller nana quoi yaya atai bon anya comme on nous l'a kata anna irai à wati là à taradron c'est le tara au matin mais fait au yubla quoi tribunal au yubla à wati là pourquoi nous devons wati à yubla à wati là aya comme on aya comme on la bla aya comme on la bla donc de tellement à dernier là. Donc, après, on va attraper plein de gens qui ont commis 5 ans. À Karazan, maintenant, je vais couler 20 ans. Donc, on va faire un taille en bas. Bon, mais à Wati, on va dire que ça va être mes déplacements. Mais on allait mal là. Donc, maintenant, on va dire que c'est quoi il nous fait. Parce qu'il y a un monde qui va dire que c'est quoi il fait. Il n'y a aucun cours de tantôt. Donc, on ne parle pas de la réalité. Mais même si on fait un drôle, même si on parle de fou, nous, Naima Sangari. Qu'au juge d'inscription de Nyaima. Nyaima vraiment à la qui sera. Mais ça m'est à la éco, Malikonoko, Tchérobekato, Koumoutra Traoré, et à Tramoka titre foncé de Boublou depuis 1999. Titre foncé, à l'état Kataka, permis boala, permis provisoire. Kataka, Kataka, Furo, Massami, à la 5 hectares. Kataka a fait, à tâter, à casser, à c'est le moment de trouver les quatre. On est sans la quoi. Mais quoi il me faut sans faire négliger là. Faut il me faut sans négliger là. Ou à être mal au fond qui est très vrai. À ce moment-là, moi, et vous t'avez Google, non seulement vous avez Google mais là, ni ma savali, ni voilà qu'il faut qu'il me cache. Ou petit blague qu'il souffre là. Ou peut-être la convocation que soit transmis, n'est-ce pas soit transmis coronavirus, n'est-ce pas donc en toi américain. Ou peut-être soit transmis que qu'il me tape mon calme, ou t'as dit ce qu'il m'a. Donc ni soit transmis dirima. Ou est-ce que c'est pour ce soir la CAO et gendarmerie? Donc, il sera ici ça, ou il y a tout le monde. Donc, il sera un drone en général. Tu n'as que 90% de chance. Il m'a chié. Ou le bimé qui est blanc, il est bien mon cas. Et le bétra menaçant qui est direct. Donc, il est direct là, c'est ça. Ou bimé qui est bichi. Nous, il est bichi. Mais ça, il est allemand fréquent. Il est allemand fréquent. Il est clé, ça va si violent qu'on a là. Il est clé, ça va si violent qu'on a. Et le taille euro, il est euro, il est tout. Il y a du gros, zombie qui est blanc, sur la main, la rébéchi, rébéclé. On a donné une connouille, ne benda douala. Donc, il y aura jamais Idriss Martinez fou. Vraiment, avec un barbe de malikono, à la cachimaya. Malien Bekana Petini de maintenant. Mais il y a une soukati mouro frefe. Pourquoi il y a une koukouba baraye, kassoua maké mouro douaye. Ni mouro mi asoro, malibé achima. Parce que ni refre ga kelele. Ni refre ga kelele. Mou, orona anyan damala. A cause de la fausse sainte qu'on a là, alhamdoulilaye. A cause de la fausse palais là, beba kalama. Beba kalama, donc Anthony Dabla, dans 30 jours, nous allons faire un peu de temps, 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 nous allons faire donc on de temps, nous allons faire un peu 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 de temps, on ne peut plus tenir. Yé famia, donc il y a un maram nyama sangari amafu, vraiment mousso kouloukoutou, nyama sangari et les soukati starebi, y a un an la renie, y a la princesse bikoni, ala y a le tabole ala. Donc nyama befou, ne bala la mabrao, à l'air des infos pertinents, moi d'anté, je ne fais que mon analyse, donc en a bola si ça, en a dadou, et fena Congo, et amin Dougintouro, et Gabon, en a dadou Gabon. Donc Gabon, et aïe le mec a faux, Kokurita kera kumina parce que Gabon président aya fo kabe et kurita kabe et élection kaba sué. Il voulait voler l'élection du Gabon. Abora ki kanto ko ale gaina
et avec des pourcentages très hauts. Ce qui est faux et archi faux, parce qu'elle m'a gagné le flot à la première place. Donc, à l'élection tripotée. Non seulement à l'élection tripotée, à Klagabro Labo, car elle déclaration qu'elle publiquement, qu'il faut qu'elle gagne. Donc, au Kéré, c'est ça, il fallait que le militaire s'assume. Donc, le militaire s'assume parce que vous êtes là. Mali Kolo, Boudenin Gomé, Sano Kamara. Sano Kamara, il y a la vie qui est Natara Irisila. À Tala Irisila, ça nous est message de l'effort. Ça nous est cercle discours de quai. Sano Kamara, Boudenin Gomé, il a fait un discours de siècle. Ça doit appel à la continuité de quai à dos. Mais Moro, t'es qu'à famille. Ça doit être national héroïque. C'était un héros national. Alors, des Sadoudi en Mako. Allez, Malima, Sadoudi, Malima. Alors, des Sadoudi, Malima. Mais Sadou a donc un Mali défensif sécurisé. N'a terminé Malika. Maintenant, Sadou, il devient tellement ambitieux. Il fait l'appel des continents. Donc, à travers ici, là, il y a un bel évolué. À coucou, mon robe, ni sébillé. Ni même, ni même, ni précaré, ni qu'on a là. Parce que mon robe, ni même, ils sont détachés de nos réalités. Ou bien, présenter là, mais ou te fouille là. Ou bien, ni même, bricolé drôle. Donc, ne Sadou, cameraman, à fond, au yana. En bel et fly. J'aimerais continuer à me rouler en là. On sera sous nous-mêmes vie. Nous avons un calanque. Nous avons un calama. Et avant de vous me carrer, nous avons un rouge me carrer. Nous avons un rouge qui sur le camion. Nous avons un rouge qui est sur le boulot. Nous avons un rouge qui est sur le camion. On y va donc parce qu'on est au serenque. Ne sado, ne 200 km, ni à tomber en Sénat. Mais c'est un corbeau. Donc de ce fait, ne va pas nous sera sous fait. J'aimerais nous connaître les Français qui sont en train de tourner en Golan. Aïe, vous voulez encore assumer. Ne sado, je vais vous supporter. Ne va pas au à la table là. Moune là, parce que alors continue à me rouler là. Na on se fera la saga, fera le monde. On me sait qu'à Afrique, bon, nous dirait qu'on a. C'est ce que ça doit dire. Elle a faut sans filtre, sans point guémé. Donc, c'était des messages très forts. Il faut qu'on ait tiré les forces du camarade. Au message, il est qu'il est flé, 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 il 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 A pas de bruit, ni bébé galop. Alassane Ouattara, il va partir. Macky Sall, il va partir. Le président de Tchad, il va partir. Le président de Togo, il va partir. Le président de Bénin, il va partir. Le Cameroun, il va partir. Parce que l'Alain Fleuve, il a dit que le président, lui, il veut mettre son fils à sa place. Ça ne va pas marcher. Parce que là, il y a Paul Béa, là, il y a Dingue de la place là. Ça va être plus que Ali Bongo, l'histoire de Ali Bongo. Donc, Oumar Bongo. Donc, la vérité est quoi? Le Mali est instrumental à ce qui se passe dans notre continent. Donc, il y aurait la fin de condamner le Trouni, parce qu'il n'y a pas la côte Djadja, Mbonobé Mali et tribunal là, Ouluma Djarami Gor là. Il n'y a pas que Mme Sangaré. Vraiment, à la fin de Mme Sangaré Korota. Donc, il y aura la maman Fama Oufou. Mais c'est ça, il faut me laisser maintenant d'essayer de vous parler de l'histoire de Gabon. Gabon, ce n'est que 2,3 millions d'habitants. Alors, m'a dit 1 million flas à 1,3 au Gabon. Gabon, Djamamantia. Le Mali est de 24 millions d'habitants. Gabon est Djamana Fitini. Mais Djamanami, mon repère est à Kono. Donc, Abidji Kono. Un Gabonais ne doit jamais aller en aventure. Un Gabonais ne doit jamais parler de la pauvreté. Tous les Gabonais doivent conduire de belles voitures. Tous les Gabonais doivent avoir de belles maisons. Tous les Gabonais doivent avoir une très bonne vie. Parce que le Gabon est bêtement riche. Et le Gabon a tout. Et le Gabon n'a même pas de population. Allez, moté. Au Gabon, il y a des gens qui ont Gabon. Quelles sont les richesses du Gabon? Pétrole est Gabon. Yin est Gabon. Magnèse est Gabon. Diamant est Gabon. Diaphane est Gabon. Alors, ma tête, c'est qu'il mérite la foule de la carte de Gabon. Alors, il y a une foule qui dit que je ne vais pas me faire. 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 Quand ici que ce fait et qui détermine un monifie million mois en inanimé malgré qu'à d'ici que ce avec un disque fort fait l'offre à l'aide de mon gars du coup fitiné mais du coup fitiné quoi à la guinée qu'à soisy donc à dire et bec à plat comme un tel tellement de voir avec Gabon
Omar Bongo est Francis président fou et masque. Il faut qu'à ta sa sadouma. Allez la brasse. Témoigné ou rebelle Gabon. Le Omar Bongo, il se croyait plus français que les Français. Témoigné ou rebelle Gabon. Gabon, ni Omar Bongo est d'où il s'en Gabon. Allez, est Francis. Allez, est Francis président. Il faut bien. Il faut que enveloppe. Il faut que Gabon ou rebelle check à béni ton mouvement. C'est-à-dire quand on vous parle qu'un noir peut être amoureux d'un blanc, ça c'est l'histoire de Omar Bongo, le père de Ali Bongo. Tobia Kelly a dit que Tema Ayreka, c'est ce qui était son père. Ça vous rappelle de Alassane Ouattara, non? Il va dire que Frafin Gero là, parce que Tobia Kelly a dit ni Tobia Frafin Gero là, ni ma kem bonifin, Ikmaï, ni Ikmatila, Ereboulou, Ereboulou, Tobia sauvé quoi. Amalé Noéon, ni Moutenon, non, mais bien. Et toi, tu vas devenir le protecteur des blancs. Parce que Mastaï Gerou là-bas. Donc, Gabon, histoire est née. Donc, Gabon, quand coup d'état, on doit solliciter. Mais Ahmed Gaoulé Kedron, moi, mon coup d'état, à Kanaké Mouye, moi, mon examen, t'as trouvé qu'à dire forcément. Parce que la réalité est quoi? On vient de nous dire que le monsieur qui a fait le coup d'état, il est très proche à Macron. Il est très proche à la France. C'est que monsieur Bruce. Mais Ahmed Alak Deli, mais si c'est le cas, on n'aura pas le choix que d'enlever Brice au pouvoir. On va enlever Brice au pouvoir avec un autre militaire de Gabon qui est l'équivalent de M. Ibé. Le cas de Brice sera comme le cas de Burkina Faso. Il faut que Brice sache ça. Parce que nous, les Panafricains, on ne va pas le laisser dormir. Il ne va pas envoyer son travail. On va mettre son travail, l'enfer pour lui sur la terre. J'ai dit bien s'il est ça. Mais s'il n'est pas ça, on va lui supporter avec notre vie, avec notre talent, avec notre intelligence. Inch'Allah. C'est ce que j'ai pour lui. Donc sans trop tarder, parlons du Gabon. Le Gabon qui ne doit jamais avoir la pauvreté. Parlons du Gabon qui ont tellement besoin de l'aide du monde. Parlons du Gabon qui n'ont pas de l'eau à boire. Mais ils ont toute la richesse que le monde peut avoir. Parlons du Gabon, qui n'ont même pas de courant, alors qu'ils n'ont que de mécanisme et tout ce qui peut donner l'électricité à un pays. Parlons du Gabon, qui n'a que 2,3 millions de population. Parlons du Gabon, qui tout le monde enjoie la richesse de leur pays, sauf les Gabonais. Un Gabon, ils sont arrêtés. Voici précisément en Afrique francophone. Nouveau putsch donc. Le deuxième en à peine un mois, le cinquième en moins de 3 ans. La Guinée, le Mali, le Burkina, le Niger et depuis ce matin le Gabon. Oui, le Gabon. Le Gabon, c'est l'emblème de la France-Afrique dans l'esprit de tous. Avec la dynastie Bongo, ça paraissait presque. Donc Gabon, c'est l'emblème des dynasties de la France. C'est pour cela que Gabon nous préoccupe, nous tous. Parce que quand tu dis France là, en Afrique là, c'est Gabon. Ni Gabon Borai, Abidjan Ebina. La dynastie de la France, c'est Gabon et la Côte d'Ivoire. Mais les Gabonais sont plus français que les Ivoiriens. Voilà des gens qui préfèrent d'aller mourir en France que plus que chez eux. Donc, c'est ça le Gabon. C'est presque une enclave intouchable. Le Gabon bascule à son tour. On va d'abord examiner les faits. Nous sommes en fin de journée. Donc ce putsch à moins. Donc une enclave intouchable. C'est comme le Gabon, mais comme le français qui parlait d'Afrique. Parlez de nous, ou de nous, mais c'est ce qui a blé pour la crise qui a mal. Donc, Marakerouna. Et quand on peut toucher le Gabon, on va toucher Alassane Ouattara. Dès que le Gabon a été touché ce matin, ça dit à moi, comment elle est là? Alassane Ouattara quoi? Ça dit, Alassane ne peut même plus dormir. Même les fans de Alassane Ouattara maintenant ont peur. Parce que si ça, Bébé n'est qu'un gardien rapproché, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que le problème avec le gardien rapproché, c'est quoi? Quand tu les renvoies, ils vont te faire coup d'état. Et quand tu les gardes, ils vont te faire coup d'état. C'est-à-dire, Bébé n'est qu'un beau coup d'état là. À cette heure-ci, es-tu son père? Parce que garder le prochain problème, ni à guerre à Bimine. Ni ma guerre à Bimine. Donc, en un mot, ce n'est qu'une question de temps. On va enlever tous ces gens. C'est inévitable. Donc, Gabon, c'est le précaré de la France. Francis Taribon. Francourita Kram Macron. Si le monsieur il est légitime.
Et comme on dit. Et on dirait qu'il est musulman aussi. Hein. Eh non, 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 mais tiens, chaud, mais boulot. Là, il est là. À moins de 24 heures, voilà tout ce qui s'est passé, voilà où on en est, les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelques points de repère avant de vous entendre parce que ça n'est pas forcément évident pour tout le monde. Le Gabon, ça n'est pas un pays d'Afrique de l'Ouest, c'est un pays d'Afrique centrale qui se situe ici. Vous avez vu la carte. Il est grand comme la moitié de la France, mais très peu peuplé. 2 300 000 habitants, essentiellement regroupés le long de la côte. Le Gabon est un pays riche de ses ressources, un état pétrolier, un état minier, il y a de l'or, il y a de l'uranium, il y a surtout du manganèse. Je crois que c'est parmi les premiers producteurs, si ce n'est le premier producteur mondial de manganèse. Mais tout le monde s'accorde à dire que ces richesses ne profitent pas à tout le monde. Il y a encore des coupures d'eau ou d'électricité aujourd'hui. Première puissance mondiale du manganèse. De l'or, des diamants. Alors, ma dîme, c'est qui mérite d'y faire la même gamme. Bêtement riche. Ma sœur, mais elle a dit pour ses amis. Il ne peut même pas avoir de l'eau à boire. Eh, t'y a là. Eh, t'y a là. Aïe, mon égard là. C'est l'histoire de Gabon, mais elle rappelle de mon pays. Hein. Et c'est la forme d'autre, mais le Mali est 1 200 000 000 de kilomètres carrés. Au cours du Mali, bête du boulot. Et pour le coup, malgré un clic, Dieu fait même mon fait. Faut du rouleau. C'est-à-dire, malgré un clic, Dieu fait même mon fait. Faut du rouleau. À Benin, on a clic. C'est-à-dire, on a ni gouvernement clic, ni gouvernement clic, t'as ni c'est vrai quoi. Alors, il y avait Armadio, on a mangé assez de gouttes là, on a fait mon rouleau quoi. Il y en a d'autres, nous on a donné d'autres vidéos, nous d'autres, nous d'autres, non. Amad, ne quoi, mais la tienne faut Benin. Ni assez de gouttes là, on a fait mon rouleau clic, Mali du rouleau quoi là, Mali chaga quoi là. Alors, il y avait, c'est-à-dire, alors, il y avait malgré deux, on a mangé boula quoi. Parce que là, on a une crème de Kamau. Crème de Namu Fangala. Donc, Gabonais, c'est comme ça. On est malika, il veut Gabonais dans le flot. On a la FM tout le monde. Il veut que Gabonais malika du boulot. Un Malien, le Malien ne doit jamais se battre pour les dossiers fonciers. Le Mali n'a que de la terre. Alors, les Mali sont fermiers là, quoi. Nantes, c'est qu'à bas là, quoi. Eux du boulot, quoi. Mais moi, ça m'est à la et tellement qu'il y a un peu tellement qu'on met à Fagon. Ni un homme m'a fait au sous la Olympi. Ou pas faut que vous fassiez la bénin à la crèche. Tellement qu'on met à Fagon, tellement qu'on crée à Ditoï, tellement qu'on crée à Barak Baloui, on m'a en boulot, n'a pas à Dounina, on met à Dounina. Donc le cas de Gabon, c'est tellement réciproque comme le cas de mon pays, le Mali. Donc Gabon ne manque rien. Encore des coupures d'eau ou d'électricité aujourd'hui à Libreville, quotidiennement quasiment. Et. Beaucoup de monde au chômage. Et la dynastie Bongo, mais ça, on va voir ça en détail. Quentin, d'abord, où en est-on ce soir au Gabon? Eh bien, tout a commencé à 5h du matin, lorsque sur la télévision d'information gabonaise, un groupe d'hommes prend la parole en direct. Ils annoncent prendre le pouvoir et destituer le président Ali Bongo. Écoutez. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Au même moment, les médias locaux annoncent des coups de feu dans la capitale à Libreville ainsi que dans d'autres provinces du Gabon. Les habitants sont appelés à rester chez eux. Ce qui a mis le feu aux poudres, pardon, c'est la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle, 1h30 avant. Selon le décompte final, Ali Bongo est réélu à plus de 64% des suffrages pour un troisième mandat consécutif. Donc, déclaration officielle. C'est-à-dire, Ali Bongo a fait le coup d'État. C'est lui d'abord qui a fait le coup d'État dans le pays. Ali Bongo, il faut le coup d'État que Diabana Kondala. Quand Ali Bongo a fait le coup d'État, les militaires ont fait le coup d'État à Ali Bongo. Donc, il y aura une réponse sur. Parce que, pourquoi tu as mis le coup d'État et tu as mis le coup d'État président? Non, au conseil de président. Parce que Ali a fait des déclarations officielles.
Donc, c'est pour les cas premiers, quoi. Ils ont fait le coup d'État au monsieur Adongo. C'est-à-dire, le monsieur qui a gagné légalement, ou le coup d'État de coup, là, quoi. Donc, Albert Ando, c'est Ali Bongo qui a fait le coup d'État à Albert Ando. Parce que Albert Ando, quand on regarde les voix légitimes, il n'a pas gagné. Parce que, moment maintenant, nous regardons quand les résultats officiels disent. Les résultats officiels montrent que Albert n'a pas gagné, mais bien vrai qu'il a gagné. Parce qu'ils ont rendu ces documents officiels. Donc, de fait que le document qui est officiel, Ali Bongo a fait le coup d'État qui est Albert là. Et quand Ali Bongo a fait le coup d'État à Albert, les militaires ont fait le coup d'État à Ali Bongo. Donc, il y a eu deux coups d'État successifs à Gabon. Coup d'État frère qui est à Gabon. Donc, allez, le coup d'État et législatif qui est. Là, vous voyez un coup d'État qui est en baisse, comme Alassane Ouattara. Allez, le coup d'État démocratique de quai. Ali Bongo a fait le coup d'État démocratique. Et en soudainement, les militaires ont fait le coup d'État militaire. Donc, il y a eu deux coups d'État consécutifs au Gabon. Coup d'État, il n'y a rien à faire. Donc, au rôle de la CISA, Amunuko, M. Albert Kanaka président. Albert Kanaka président. Pourquoi? Parce que déclaration officielle de Kera. Il y a eu des déclarations officielles. Ali Bongo a pris M. Albert Ando en otage. En déclarant que lui l'a gagné officiellement par les hommes officiels de l'État. C'est-à-dire les sénateurs de Boraka Galondré. Donc au clé, Ali Bongo était le président toujours. Et quand cela s'est fait, les militaires se sont assignés. Parce qu'ils gardent leur prochain rebat dans la Foko, il n'a pas gagné. Parce que le pays est vendu. Un pays qui est autant riche, Massami Alaï Baraté Djamara Konala. Les gens n'ont même pas de travail. Les gens n'ont pas d'eau à boire. Les gens n'ont pas d'électricité. Fouillez Gabon au boulot. Waribé, clan dans l'État d'Amraï. Un petit clan. Tous les appartiennent dans le pays. On continue. Pour son des suffrages, pour un troisième mandat consécutif, son concurrent, Albert Ondo Ossa, ne récolte 30% des votes. Ce sont ces résultats que les putschistes remettent en cause. Le doute planait sur ces élections. Aucun observateur de la communauté internationale n'avait été accepté. Aucun journaliste non plus. Les médias français comme France 24, RFI ou TV5 Monde, très suivis dans le pays, avaient été coupés depuis samedi, le jour du vote, tout comme Internet. Depuis 4 jours et le début des dépouillements, tension montée. Chaque camp revendiquant la victoire, l'opposition dénonçait des fraudes et des bourrages d'urnes. Est-ce qu'on sait où se trouve en ce moment le président sortant Ali Bongo? Oui. En fin de matinée, les putschistes annoncent qu'ils retiennent le président gabonais en résidence surveillée avec sa famille. Ils viennent d'indiquer ce soir qu'il a été officiellement mis à la retraite. Et quelques instants plus tôt, Ali Bongo apparaît dans une vidéo enregistrée, diffusée par les médias gabonais, seul. Assis sur un siège en habit traditionnel, il demande l'aide de la communauté internationale. Écoutez. I'm Ali Bongo Ondimba, president of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise. For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place. And I'm at the residence. Right now, I'm at the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, to make noise, to make noise, really. I'm thanking you. Est-ce qu'on sait qui est l'homme fort de ce putsch et donc peut-être désormais l'homme fort du Gabon? Oui, le voici. Il s'appelle Brice Oligui Nguema. C'est le chef de la garde républicaine au Gabon. Oui. Autrement dit, le chef des hommes qui assurait la sécurité en personne du président Ali Bongo ainsi que de sa famille. C'est un militaire de carrière qui assurait déjà la sécurité d'Omar Bongo, l'ancien président, jusqu'en 2009. Mais il a retourné sa veste. Il n'apparaissait pas dans les vidéos des putschistes jusqu'à maintenant, mais depuis ce matin, plusieurs images le montrent porté en triomphe par ses collègues de la garde républicaine dans les rues de la capitale. Son nom est scandé par les habitants.
Contacté par le journal Le Monde ce soir, il confirme qu'il est à l'origine du coup d'État. Il y a une grogne, indique-t-il. Et au-delà, il y a la maladie du chef de l'État. Il fait référence à l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bogon qu'il avait eu en 2018. Il continue. Il n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. La Constitution a été bafouée. L'armée a décidé de tourner la page. Pour certains spécialistes, il s'agit plutôt d'une guerre de clans. Écoutez à ce propos Vincent Hugeux, grand reporter spécialiste de l'Afrique. En réalité, vous avez une guerre de clans qui s'est cristallisée autour de deux personnages de l'entourage d'Ali Bongo. Son épouse, Sylvia, née Valentin, qui était la fille d'un assureur français bien connu sur la place. Et puis également le fils que Sylvia et Ali ont eu, l'un des deux, en tout cas, qui se prénomme Nourdine, et dont l'ascension commençait à susciter beaucoup de crispation chez les caciques du Haut-Ogooué. Donc en fait, c'est un règlement des comptes à la Borgia, beaucoup plus qu'un coup d'État à la sahélienne. C'est sur le plateau de Bénédicte de Châtelier. Bon, vous voyez encore, donc à Thomson, il est marié aussi à une femme blanche sur la terre des Africains. C'est-à-dire, moi, Dante, personnellement, moi, je vais conseiller ces présidents avec tout le respect. Il faut vraiment respecter notre continent et nos femmes. Ce n'est pas du tout acceptable qu'un président de l'Afrique, moi, je m'en bats comment tu aimes la femme blanche. Ça, c'est votre vie sexuelle et c'est votre problème. Mais ce qui me préoccupe, étant un leader africain, c'est de respecter notre continent. C'est du tout inacceptable que les nègres amène les femmes blanches et devenir nos premières dames devant nos femmes. Ce n'est pas du tout acceptable. C'est des insultes à toutes les femmes africaines. Et il est très important que les Africains, songent à cela. Vous ne pouvez pas nommer quelqu'un qui est marié à une femme blanche et devient votre premier et votre président. On ne peut pas laisser la femme d'autrui devenir votre première dame devant nos mamans, femmes africaines noires, qui a subi tout ce que l'homme noir est aujourd'hui. C'est ça qu'il s'agit. Voilà ce qui se passe. Et sa femme était à la mission de guerre d'attaque, d'après les analyses de la France. Parce que la femme, elle est française. Elle est française. Tous ces précarés de la France sont mariés avec les femmes françaises. La Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, sa femme, elle est française juive, et Ali Bongo, il est français, et sa femme, elle est française blanche. Et tu vois? Donc, en un mot, la France a des projets de long terme pour l'Afrique. Quelqu'un va me dire comment dater. Je vais vous expliquer. Les enfants qu'ils ont eus là, les enfants là, ils sont quoi? Ces enfants, c'est les Français? C'est les Français? C'est les métis. Et tu crois qu'un enfant métis est de la France, de première génération, et vient d'une famille présidentielle? Vous croyez que la personne va dire à bas la France? Mais je vous en prie, mon sang. Je vous en prie. C'est impossible. Surtout un garçon. Tout le monde sait que Dinti Maniba va à côté de là. Un garçon va toujours prendre la côté de sa maman. C'est tout à fait humain. C'est ça le problème ici, mes chers compatriotes. Il faut qu'il y ait un sacrilège de blanc quelque part là-bas. Ce n'est pas la question de Mamadi Doumbia ou de Alassane Ouattara ou de Ali Bongo. Non, c'est une question de long terme. Quelqu'un me dit qu'elle est marocaine. Non, elle est marocaine, mais elle est française. Ils se sont rencontrés en France. Elle est l'enfant d'un ambassadeur au Maroc. Elle a la peau marocaine, mais elle est française. Que cela soit très clair. Elle est française. Ok? Elle est française. Donc, de ce fait, c'est très très important quand on songe à la longévité de l'Afrique. Parce que normalement, il y a la longévité. Il y a basaboro. Donc, on continue. C'est sur le plateau de Bénédicte de Châtelier tout à l'heure. Y a-t-il des indices qui laissent penser que la population soutient ou au contraire réprouve ce putsch? C'est difficile à dire, David, ce soir. Sur les images de joie relayées en nombre et sans doute encouragées sur les réseaux, on voit à chaque fois plusieurs centaines de Gabonais dans les rues.
Sur celle-ci, les chars de l'armée semblent être applaudis sur leur passage. Sur d'autres images, certains habitants scandent le mot « liberté ». Écoutez. Donc, là, ici, ça, comment ça a été, ça a été supporté par tout le monde. Donc, faisant suite à la réunion de ce jour, à laquelle ont pris part la totalité des commandants en chef et des chefs d'état-major, ainsi que les généraux en deuxième section de la République gabonaise. Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Président de la transition. Eu égard à ce qui précède, le général Oligui Nguema ordonne la reconnexion de la fibre optique et le rétablissement des signaux des chaînes radio-télévisées internationales sur les différents bouquets de diffusion existants au Gabon. De plus, le président de la transition insiste sur la nécessité de maintenir le calme et la sérénité dans notre beau pays. Il prend l'engagement de préserver l'outil économique, garant d'une prospérité sociale. Étant à l'aube d'une nouvelle ère, nous garantirons la paix, la stabilité et la dignité de notre cher Gabon. Dès demain, le 31 août 2023, les Gabonais pourront à nouveau, librement, vaquer à leurs occupations entre 6h et 18h. La restriction de circulation reste en vigueur de 18h à 6h du matin jusqu'à nouvel ordre. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Père, nous te rendons grâce parce que tu es venu. Donc, on y est, Gabon y est, hein. Donc, on va interner vous contre là, on va faire vous contre là, au Taraka Douma 600, pour d'être dans le choix qu'on a. Donc, on est balade là-bas. Les Gabonais étant, les histoires des Gabon. Mais, moi, avec un narratif, vous l'avez dit, les gens sont en train de donner notre narratif. Alors, les mecs, à Foucault, tu sais, Gabon président. From the general, we introduce and we inform source, French has decided to release Ali Bongo reason. Ali Bongo, who's the first term, has already been, and sir, will have been, and grateful to French by joining the Commonwealth. Donc, qu'on français de Ali Bongo pour faire là? Qu'on passe pourquoi? Ko français Ali Bongo tak ak prison a klenga Ali Bongo ko prison Ali Bongo français Jaffa kado Commonwealth la noé les anglo-saxons ko donc comme dia français competitor of the francophone noé français ka compétition show himself by this time betrayed and predictable and less trustworthy than his late father ko donc cela a montré que Ali Bongo amaka a fadé. Parce que son père était un bon serviteur de la France. Donc le fait que Ali Bongo ait anglo-saxon encore, on m'a dit à Francie. Donc de ce fait, la France ne pouvait pas ordonner Ali Bongo de devenir président troisième fois. Parce que Francie m'a dit à il a eu France la confidence, il a perdu. Show himself by this tiny betrayal, unpredictable and less trustworthy than his late father. And two, the scenario of this coup will have been planned and organized in advance in a secret tripartite argument between France, the Gabonese president, God, and the opponent, Ando, will have been concluded well before the end of the bailout, general, in which no observer from the international community and six had been taken part. Que ça a été ordonné par le président et M. Ordo, que M. Ordo a été couru dans le coffret et candidat, nous avons gagné au bas coffret. En même temps, garder rapproché
Et l'OMC Brussels fait le bas qu'on fait. Et avec la France. D'après les analyses, il y a des mecs qui ont fait le coup. Francis, le opposant, et puis le monsieur qui a fait le coup d'État, c'est qui est monsieur Bruce. Et on continue. A sentence of a circumstance will therefore be prononced against the junta, which will be agreed to resume very quickly the election to hand over power to new valet of a France-Afrique Ondo, who will have already given a plea of the good collaboration to President Emmanuel Macron to protect and guarantee the sustainable of a French interest. The movement of a commando Albert observed in the first hours of the coup will therefore only be strategy in the event that the military will maneuver badly. Donc, il y a des mecs à fond, qu'on est coup d'état, qu'on va analyser les nids, qu'on peut-être qu'on va faire un avis à M. Andoma. Donc, coup d'état, il y a des en attendant. Pour que Ado Seka ou Seka tire Boloko Tourmina Kanya, car à Boloko Kassidi Negoro, car Sango Kanya. Donc, Nasona Francisca Puma Bema, Francisca obligation pour me faire, Nasono Bema. Donc, là maintenant, Francisca Soka tire que président, car président a dit Andoma. Mais c'est ce qu'on analyse. Mais quand nous faut, moi le temps ne manque à personne. On doit laisser le temps d'être notre juge, parce que Orié Armadien Kamo Bay. Célébration des Gabonais qui célèbrent leur force de défense nationale. Nous sommes justement à la montée du Sembélé. Donc les Gabonais sont en train de célébrer le coup d'état. Mais comme il y a fait, on a tout tamboulou, on a la guerre tamina mouken kouina. C'est le temps seulement qui va vraiment. Mais à Kanabari Moshila. C'est-à-dire que Gabon précaré Francis Tadi, donc de dire que le coup d'état m'a plaigné, avec la don Tiaka réaction là. Comment M. Brice va se comporter? Est-ce que M. Brice va collaborer avec les Assimi Goïta? Est-ce qu'il va collaborer avec les IB? Est-ce qu'il va collaborer avec les Chani of the World? On verra. Maintenant, mon Kedron sont intéressés que ça, c'est le précaré de la France. Parce que le fait qu'il y a Internet, il faut mettre. Au bout de 4 jours, il a dit aussi que les médias peuvent rester, même les médias français. Il n'a pas qui est à bas la France. Alors que quand on regarde très bien, un pays qui est autant bêtement riche, où va leur recherche? Tout le monde sait que la recherche du Gabon va à la France. La France même dit que c'est le vrai précaré de la France. C'est pas Mehdi, c'est le journaliste français qui a dit ça. Mais comment tu peux imaginer comment quelqu'un va faire le coup d'état et il est aussi gentil avec la France? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que la vraie cri de la population, c'est à bas la France. Oui, oui. La vraie cri de leur population, et ils disent à bas la France, il faut écouter. Laissez que nous regardons là. Prends pas la vidéo. Prends tout ça la vidéo. Premier pays à la fiche centrale. Gabon. Va prendre tout ça là-bas. On dirait que ça fait la France. À la France, la France, c'est bien que. Pour ta France, c'est bien que. Prends tout ça là. Voilà. Donc, Gabonais. Voilà quoi parle le Gabon. Le Gabon, c'est le premier pays à la fiche centrale. Hein, dans l'ordre. C'est la formation de la France pour la Russie. Tu as de quatre, tu as boum, sur ça. Ok. Ils vont tout faire. Ils vont choisir le Sénat, l'Assemblée nationale, la télévision, la présidence, ils vont choisir. La réponse est bloquée, tout est bloqué. Respectez le soldat gabonais, le sou. Les frontières sont fermées. C'est fermé, tout est barouillé. Regarde, respect au Gabon. Respect à la nation. On vous dit ça bien que le Gabon est le premier pays en Afrique centrale. Regardez les soldats. Regardez les soldats. Regardez les soldats. Regardez les soldats. On est formés. Regardez les soldats. Un coup de terre sans le sang. Même la Russie a mal dit. Regardez. Je suis fier des soldats. Une nouvelle astuce. Voilà, zéro casse. Voilà. Même pas cassé. Même pas le sang. Non. Donc tout est à refaire. Non, vous le Gabon. Les soldats gabonaises. De l'auberge jaune bleue. Population gabonaise. Donc, Gabon est le premier pays Afrique centrale. D'après les citoyens. Donc, quand tu écoutes très bien, et les citoyens, ils détestent la France. Mais pour le moment,
Ça, ce n'est pas la réaction de M. Brice. Et ça, ça doit être la réaction de M. Brice. Au lieu qu'il y a M. Brice qui a pareil. Parce que Gabon a trop souffert. Gabon freine, il dit bien au boulot. Il n'y a pas d'employement au Gabon. La réponse est pourquoi? Il y a des diamants au Gabon. Où les diamants vont? Il y a de l'or au Gabon. Où les ors vont? Il y a de l'uranium au Gabon. Il y a du magnésium au Gabon. Il y a du pétrole au Gabon. Où ça part? Tout le monde sait que ça appartient à la France. Donc de ce fait, tu vas dire que quelqu'un qui vient de s'assumer, il va dire que vraiment il faut que les médias français aillent. Parce que quand on regarde très bien, ils ont renvoyé la France. Mais il est tellement gentil avec la France. Donc on doit vraiment regarder ce monsieur. Alain Aladje, vraiment, on doit vraiment veiller sur ce monsieur. Donc, sans problème. Ça, c'est l'histoire du Gabon. L'État français, avec qui avez-vous été vraiment très, très proche? Avec tout le monde. Votre ami, votre frère aujourd'hui, c'est qui? Tout le monde. Je dis que le président Omar Bongo Ondimba a été généreux avec tous les horizons de la vie politique française, de gauche comme de droite. Bonsoir à tous. La France et le Gabon et la France, c'est une longue histoire commune. La France soutient la dynastie Bongo depuis le début des années 60 et les Bongo financent les partis politiques français. Ça s'est longtemps passé comme ça et tout le monde était très content. Ce soir, complément d'enquête vous raconte donc l'histoire d'Ali Bongo, l'actuel président du Gabon, ce petit pays pauvre en Afrique, pauvre malgré de grandes ressources pétrolières. Ali Bongo, c'est un des 54 enfants d'Omar Bongo. Il a été élevé dans les meilleures écoles françaises. Pour la petite histoire, il a obtenu son bac grâce à un coup de fil de l'Élysée. Ensuite, il a surtout hérité du palais présidentiel de Libreville et d'une immense fortune. Mais en septembre dernier, sa toute dernière réélection, très douteuse, a provoqué des émeutes sanglantes. Dans les fauteuils rouges, on parlera de tout cela avec Robert Bourgi. Bonsoir. Bonsoir. Avocat de la France-Afrique, grand connaisseur de toutes les affaires africaines. On va en parler, mais on regarde d'abord ensemble ce reportage, le clan Bongo, une histoire française. C'est une enquête de Donatien Lemaître, Laurent Di, pour Bangoumi Productions. Vous allez bien, monsieur le président? Ça va, allez-vous? En chemisette. Décontracté. Il a l'air d'un vacancier. Voici pourtant l'un des plus puissants chefs d'État africains. Le plus français en tout cas. Ali Bongo, 58 ans, président du Gabon, un dictateur selon ses opposants. Petit tour dans Libreville, la capitale. C'est lui qui est au volant. Mais il est bien entouré par la dizaine de voitures de sa garde rapprochée. J'ai un chauffeur que j'utilise pour les sorties très officielles. Les autres occasions, je conduis moi-même. Pour moi, c'est en même temps une détente que de conduire. Et j'ai un poste d'observation pour voir ce qui se passe et regarder. Une façon pour lui de voir son pays et son peuple loin de son palais. Ce matin, l'accueil dans les rues est chaleureux. Ça va, contact avec les populations, c'est un moment privilégié. C'est toujours très important de maintenir ce contact-là. Ici, à Libreville, je n'ai pas de problème. Je me promène dans n'importe quel quartier. Il y a des endroits du pays où c'est plus compliqué? Non, pas du tout.
dans tous les coins, tous les endroits, toutes les villes du pays, je me promène sans difficulté. Alors, Ali Bongo populaire, pas si sûr. Lors de la dernière élection, Ali Bongo est accusé d'avoir volé la présidence en bourrant les urnes. Résultat, les émeutes les plus violentes qu'ait connues le pays. Une trentaine de morts. Ali, attention, c'est pas un petit gros. C'est quelqu'un qui peut être parfaitement brutal. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est un type qui peut être policier comme ça, affable, mais aussi extrêmement violent. Il est diabolique. Sans état d'âme, sans cœur. Je vous assure. Le Gabon, petit pays d'Afrique de 2 millions d'habitants. Dirigé depuis 50 ans par la même famille, les Bongo. Le Gabon, base arrière de la France, qui s'y fournissait en pétrole, en bois, en uranium et en cash. Omar, le père d'Ali, aurait offert des millions d'euros à nos hommes politiques pour financer leur campagne. Donc vraiment, ça fait pitié. Allez, qu'est-ce qui donne à Nadia à Armani Aklima là? Qu'est-ce qui donne à Nadia? Qu'est-ce qui donne à Nadia à Bémonifi Aklima Toro? En regardant seulement, ça doit faire mal. Mais ne balala même pas, c'est ça l'histoire du Gabon. C'est ça l'histoire du Gabon. 55 ans de Gabon, le Gabon est dirigé par une famille. C'est-à-dire, c'est inconcible. Quand le monsieur Brice, si monsieur Brice n'est vraiment n'a que beau qui clé, donc vraiment ça sera vraiment des dommages. Ça sera de l'espoir pour l'Afrique, pour Kadou. Quand vous voyez bien et Omar Bongo et Ali Bongo, Aleni Bazoum, ils étaient très proches. C'est le précaré de la France. C'est-à-dire donc on va vraiment entendre et voir qu'est-ce qui va se passer. Donc quand on regarde cette photo, ça met les gens en doute. Ça met les gens en doute. Donc on va voir. On verra. On verra. Mais le fait que Gabon président me beau, et président Croix me beau, Francis Kafou était prêt, Francis Kafou télévision sur tout, voilà. La France dit que cette coup d'état est juste fiable. C'était vraiment basé sur la législation. Donc on va voir. On verra. Donc me beau, il y a un manœuvre, la journée est noble. Et selon les informations, l'ancien ministre de la Sécurité Générale, Salif Traoré, a été placé aujourd'hui sous mandat de dépôt dans l'affaire Sécuriport. Et deux autres anciens ministres attendent d'être fixés sur leur sort aujourd'hui ou demain. Donc, et général Salif Traoré, allez le flamier. Donc, au Salif Traoré, qui est mandat de dépôt dans Alephaneka, au Kralekan B, dans les couillés, ministériers, sécurité générale, département. Donc, au Salif Traoré, qui est mandat de dépôt dans Alephaneka, et Yurukou sera là, en la Djamana Konala. Nous le faisons, on est tardons, Afrique, Djamana, nous, on est tardons, promesse Mbouni, la flotte, mais moi, vraiment, je voudrais savoir combien d'argent quelqu'un a besoin. Ça me fera tellement plaisir. Alors, je me remets de la diarrhée pour qu'il y ait une fausse. Moi, j'aimerais savoir parce que personne, rien ne leur manque. Ils n'ont que l'argent. Mais il faut que je me dis, je suis dans l'unité, donc quoi. Je ne connais pas l'équivalence. Donc, de ce fait, Ahmed Burkina président, Noé Ibe, Naline Rebroni, Ibe, vraiment, c'est quelqu'un, il est à la hauteur. Ahmed Ala Deli, vraiment, Alaka Ibeni, Asimi Goïta, Alaku Shimaya, vraiment. Et ces deux leaders, c'est vraiment, ils font inspirer l'Afrique. Et ça c'est très bon pour le cœur. Vraiment, avec l'Afrique inspirée. Il faut regarder Ibe, Mali, Nyamro Tchama et Nomé Bi. Cette nouvelle, les autorités de la transition burkinabé témoignent leur gratitude aux autorités maliennes. Le président de la transition du Burkina Faso, à travers son état-major général des armées, a décoré aujourd'hui le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, colonel Abdoulaye Maïga.
le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, le général de division Omar Diarra, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Boua Diarra et le colonel Adama Bagayogo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Donc, on est parlé à Massami Alaye, c'est Burkina président, ou le Burkina autorité, a Mali, Surasi Chamambadi, et Fouk Wolimando, Koka Irakafo, Kou vraiment, et il nous revient reconnaissant, et Mali est Mungia Burkina, Burkina Maninako, ou Burkina Teninako, Ka Burkina, Burkina et Mali Fouka Wolimando, en Afakle Bakriala. Vraiment, il est très très conscient, ce monsieur. Il est très très conscient, c'est un jeune leader. Qui a la tête sur les épaules, sur ses épaules, vraiment, et il connaît les enjeux fraternels, paternels, et vraiment, moi, j'ai tout le respect pour Ibé. Et je crois que Alaye Burkina Fouka, ou Alaye Djabi, quoi. C'est-à-dire, il est tellement bien cerclé, il est tellement bien éduqué, c'est-à-dire, la manière dont il bouge avec le temps et à l'air, ou à Koudjani, quoi. Ibé bouge avec le temps et à l'air. Et font. Pourquoi Dante, l'or du Mali est de 35%? Je vais parler de ça à chaque temps. C'est un mec maca. Donc, ouais. Et donc, en même temps, on a de tourner encore en tourner. Et, ou quand tu as mis toi, ou Yann Ngoulou, et Sirake, et Mouvou Randindjani, a été arrêté. Donc, nous, comme au Bado de Gabon. Il faut nous ne zoom pas pour le bord du Gabon. Maman nous a braillé, nous avons mis le trafic du bord du Gabon. Il faut nous, et tellement de gens tiennent, il faut beaucoup de temps que le pays qui est autant riche, mais qui est autant pauvre, ça n'a même pas de sens. Donc, Amoula Hermina, l'Union africaine a condamné fermement la tentative de coup d'État au Gabon. Donc, l'Union africaine, là, elle vient toujours en retard. On veut comme il y a un film, là, quoi. Il y a un film, là, pour Zoubé, là, quoi. Après, le film, il y a un banishafou, frère, là, il veut prendre un proximo, il y a Pinou. C'est-à-dire, ils n'ont pas condamné coup d'état triché par Ali Bongo. Ils n'ont pas condamné deuxième mandat triché par Ali Bongo. Et avec plus de, beaucoup de morts. Ils n'ont pas condamné tous les crimes que Macky Sall a commis au Sénégal. Ils n'ont pas commis troisième mandat et condamné troisième mandat de Alassane Ouattara. Mais quand le coup d'État est fait, ils condamnent le coup d'État. C'est-à-dire, net, c'est que moi, je n'arrive pas à comprendre les leaders de sous-région. C'est-à-dire, Afrique, comment tout tombe? La faim ne fait pas mal. Il n'y a pas de l'eau au Gabon. Et tu vas te dire que le Gabon est tellement riche pour qu'il n'y a pas de l'eau. Ça, ce n'est pas leur conscience. Il n'y a pas de courant au Gabon qui a des diamants, de l'or et on est en train de les exploiter. Parce que Gabon a 9 fois de gâte à exploiter. On exploite. Pétrole au Gabon est rien. Il y a pétrole qui est au Gabon, mais on ne peut pas faire mourir 2 millions de populations. La CIDA, c'est-à-dire l'Union africaine ne parle pas de ça. En tout cas pour le mieux. C'est-à-dire, moi je me demande, Anye Mouneke Alala, et puis je crois qu'un jour Dieu va me répondre. Mais vraiment, et le cas de l'Afrique, on doit commencer à se poser cette question. Autrement, dans les bas encore. Dans les bas encore, autrement, on est monnaie, on est colonné, on. Parce que tu sais que tu peux prendre soin de 2 millions de population avec le pétrole et tu peux bien vivre ta vie. Mais outo chique, fais-moi ce que j'aimerais dire, arrangé outo ke. Mais fais-moi ce que j'aimerais dire, toi, ou bourke. Mais vraiment, ce n'est pas la peine. Donc, de ce fait, et Gabonka, comme au niveau de là, et donc, l'Union africaine, on nous boit ça, on nous boit qu'on allait, mais c'est trop tard. C'est-à-dire que ça a été déjà consumé. Donc, nous voilà là, en mot, on y a fait. Mais vraiment, moi, j'aimerais voir comment le président du Gabon, le nouveau président du Gabon, il va s'assumer. Et Omar Bongo a été élu à la tête du Gabon depuis en 1967. La même famille est en train de diriger le Gabon jusqu'à aujourd'hui. Faut. Omar Bongo avait 54 enfants, des Bidrou en Nani. Il était bêtement riche. 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 Il était b
Natche Mali on da fer mu mekala kuri natche wena odu group ne ba o bidama natra Abidjan odu group ne ba o bitaka dama natra ro ro président ko metu président ko ale do parce que jamana fitine ne ba bu jamana na flo pek na krita Ali Bongo Omar Bongo a rendu beaucoup de personnes bêtement riches en Afrique beaucoup ay mon nom de voici Afrique dans ta laire il avait de beaux amis. Il était généré, mais pas pour son pays, mais pour les. Avec le président Bekma, tous ces présidents de l'Afrique étaient dans sa poche. Tous ces grandes personnalités de l'Afrique étaient dans sa poche. Donc, même Moussoko, il a faiblessé. Il était très faible sexuellement. Il va dire, nous le faisons, nous le faisons, nous le faisons, nous le faisons. Il était faible sexuellement. Il y a un drone. Non, quand il te voit, non, il met l'argent sur ta tête. Hein. Abi son film bokeh. Abi na la kati. Abi na fou il la film bokeh. Abi fin drone. Abi c'est qu'à fou kabe 1 million de dollars d'ima ou 10 millions de dollars. Il qui se casse le drone. Il était faible. Il est faible. Aman karoro. Donc Nini Ali Bongo, Omar Bongo qui histoire. Donc ne parle pas de ça. Amoula Hermina. Et quoi d'autre je vous le donner là. J'arrive. Donc, Amoula Erim, accord d'Alger, et Algérie, d'abord, accord d'Alger, parce qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, donc Algérie, d'abord, accord d'Alger. Et ce coup d'État militaire en cours au Gabon, hein, ce sont les mots du porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Olivier Véran qui dit, je cite, souhaiter le respect du résultat des élections de samedi. La Russie, de son côté, se dit profondément préoccupée. La Chine appelle à garantir la sécurité d'Ali Bongo. Quant au chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, il dit craindre un regain d'instabilité dans la région. Écoutez. La France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon. Et la France surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place et réaffirme son souhait que le résultat de l'élection, lorsqu'il sera connu, puisse être respecté. Donc nous surveillons cela avec attention. Les informations sont confuses. J'ai appris la nouvelle tôt ce matin. Si cela se confirme, ce sera un nouveau coup d'État militaire qui accentuera l'instabilité dans toute la région. Je ne peux pas en dire plus car je n'ai pas plus d'informations, mais c'est certainement une question qui sera mise sur la table et dont nous discuterons. La Chine suit de près l'évolution de la situation au Gabon et appelle les parties concernées à agir dans l'intérêt du peuple gabonais et du pays, à résoudre les différends par le dialogue, au retour immédiat à l'ordre moral et à garantir la sécurité personnelle d'Ali Bongo afin de préserver la paix et la stabilité nationale. Et voilà pour cet ensemble de réactions. On va partir maintenant au Cameroun voisin pour voir comment justement est perçu ce qui se passe au Gabon, à Yaoundé. De la Russie, de la Chine. Il faut garder à l'esprit que les Chinois ont une autre. Donc, les réactions internationales, donc tout le monde est concerné quand ça vient de l'affaire de Gabon. Parce que vraiment, précaré Mindo, Naflo Bey. Donc, rapidement. Mais vraiment, il est temps que pour nous les Africains, il est temps qu'on commence vraiment à parler de l'argent de mon konala et à l'investissement de mon konala, à l'argent de mon L'Afrique ne manque de rien. Avec toute sincérité, on manque de rien. Il faut que nous-mêmes, nous les dirigeants de l'Afrique, on commence à nous embrouiller. Qu'à bonne France, Colonani et pression connue féminine, parce que la France n'est pas importante. Il faut que ça n'aide pas à Djokan, dorénavant. Vraiment, il y aura une amène, une amas, sans arrêt, nous sommes que le mec a juste d'inscription, moué, ato, et embalmaké, et embalmaké, car du coup, c'est comme ça, et vraiment, embalé fou, embrouvé, une coach, amana, mali, qu'on a là. Donc, mali, on a fait tout, mina, mec, de manière imparfaite, amena, boli, dalab, ben. Quand ça vient de la justice de notre pays, on ne veut plus que, et quand ça vient de la justice de notre pays, soit quelque chose de promesse. On veut que ça soit le Malien. C'est un Afroko Sharia, avec un Malien Red Djoui, en Mourifan, en Akonala. En Noir Sauvé, Kolala, c'est un Malien Douma, en Mourifé. En même temps, en tout cas, et comment dire, c'est cybercriminalité, on ne sont pas d'accord avec. Ah, mais cybercriminalité, mais fait. Fanny, ni Malien Grand Djamanakono. Il faut que la cybercriminalité soit faite. En fait, il y a un canal à Gouchi. La cybercriminalité est faite. En même temps, il y a un projet de Franjonka. Il y a un projet de Franjonka. Il y a un projet de Franjonka.
et pour programme c'est qu'avec ça baraque tourmina office de Niger la Mali kono ka Sénégal sabati ou la tourmina en ka moye on est semi bayi ka c'est ka baraque ri jamana kono la mena wewe quand que au moins mon mon on ama ambe c'est ka no wor fara yon tourmina ka Sénégal sabati Mali kono la mais mena ndalo akula ka a préprimatique mais ça va être je vais commencer ici d'abord aux États-Unis. Nous, on y a d'abord Amseka Anto, Jamana Toka, même pas dans l'Amérique de la Folo, ou l'Amseka Ironke, Malia Munga Kun, Latawi Kli, Amun Mefekana, Jamana Deme, avec nos propres moyens, avec nos propres ailes. Vraiment, il est bora, Ambalmaka Doro Labdi, Ayangulika Fonyana, Kabouya Dangoro, que vraiment c'est un ingénieur malien en informatique. Il est très bien, il va très bien, ça va très bien sur lui. C'est un jeune malien qui a beaucoup de succès. Et aller de Mouli Kabekaname il y a 3 ans, à un suit. Vraiment, Kanye, à Karaye, en Afrangonga, en Moumbe, en Nala Klemeka, la Fia Kanye, en Aseka, et projet organisé Office de Niger, là, en Rekan Nafolo, Kassouama, ou Bangikan, ni rien. Donc, on a un projet monté, et Nala Solama, et ni Moumbora, la Miaboulou, le Kanke, Kaiseka, Moumbora, nous on Frangonga, au moins, c'est mieux faire un Ake, Moumbora, Amérique, Rekon, la Folo, Malia Moumbe, Amérique, en Moumbora, na Aseka, Nyanabo, donc, nous on y en a. Donc on va essayer d'ambulogue du catalogue tout là pour qu'on essaye de courir la voile à n'importe quel moyen à n'importe quel moment là na ala sonama ne pas là ala kanan jamana sabati ala kanan jamana tanye ne nous mettons le cadeau mais sur le quartier qu'on a pour le moment kambe salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dante la me, ite fili, jamana jodun wa tisera.